Je vais vous présenter un Wu Chen Citadel. Pour ceux qui savent, Wu Chen, c'est déjà un moteur de recherche pour la blockchain. Aujourd'hui, on présente un nouveau produit qui est un hardware wallet, un modèle de clé USB. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est un hardware wallet? Donc, c'est une clé physique qui permet de transporter ses bitcoins en toute sécurité. C'est un dispositif électronique. On peut le voir comme un coffre-fort électronique, mais on peut payer facilement avec, par exemple en branchant en USB. Donc le concept Citadel, c'est à la fois, donc on voit le dessin là, c'est à la fois un hardware wallet sécurisé, simple d'utilisation et surtout abordable, à un tarif très peu cher. Donc on peut bénéficier des facilités d'un hardware wallet, mais sans aucun compromis sur la sécurité. Alors sur le point de la sécurité, donc le chipset, c'est un chipset fourni par Ledger, justement. Vous êtes chez Ledger ici. Donc il y a une sécurité niveau bancaire. C'est un chip utilisé dans les cartes bancaires. En gros. Il y a une authentification par second facteur. On choisit le canal. Ça peut être par SMS, par email. Quand à chaque fois que vous voulez faire une transaction, ça va vous envoyer selon ce que vous avez choisi, par exemple un SMS et un code. Et vous mettez ce code-là dans l'application et ça valide, grâce à la multisignature, la transaction. Donc ça rajoute une couche de sécurité. Les clés privées ne sortent jamais du dongle, donc une fois initialisé, tout est fait dans le dongle, la signature est faite dedans, donc la clé privée ne sort pas, c'est très sécurisé. Et la communication avec les serveurs, évidemment, est chiffrée de bout en bout. Donc ça utilise la multisignature, donc, notamment pour le second facteur. C'est-à-dire qu'il y a, ce mécanisme qui regarde si votre code est bon, si c'est bien vous, si vous avez bien reçu le SMS, qui va signer également avec vous. Et chaque adresse est unique. Les adresses sont changées à chaque transaction. Ça, de toute façon, la plupart des wallets aujourd'hui le font. Et on peut même mettre une limite de dépense. On peut dire par exemple, j'ai 10 bitcoins, mais je limite à 1 bitcoin. Et le système va vérifier que vous ne dépassez pas cette limite. Donc, c'est un petit peu comme une carte bancaire sur pas mal d'aspects, mais avec bitcoin. Alors c'est également simple d'utilisation. Donc, vous n'avez à retenir que le PIN d'accès à votre dongle, donc pour les déverrouiller en quelque sorte. Vous pouvez recevoir des alertes email, par exemple quand vous recevez des fonds, vous pouvez activer une alerte email, c'est pratique. Il y a un facteur de forme très très réduit, donc ça tient dans la poche sur un porte-clé. Par exemple ici, vous voyez, c'est juste ça en fait. Donc c'est vraiment minuscule, et vous le mettez dans votre porte-clé, et dans la poche, et tout est là, il n'y a pas besoin de carte à code, de cela, vous avez le dongle directement, et vous pouvez le brancher également sur un téléphone Android, donc ça sera multiplateforme, Windows, Linux, Mac, Android, iOS, on est en train de voir si ça peut se connecter comme il faut, et pour Windows même, il y aura un installeur simple, on téléchargera un setup, on installe et ça fonctionne, ça sera très très simple. Et puis, également, couplé avec le moteur de recherche Goldchain, il y a une fonction où on peut voir le montant disponible sur votre wallet, mais sans le wallet en fait. C'est-à-dire qu'on est en lecture seule de l'état du wallet, et donc il suffit de retenir la page, de faire un bookmark par exemple de la page, et on voit le solde disponible. Et enfin, le point le plus important, il est abordable, c'est le moins cher du marché. Il n'y a pas de hardware wallet moins cher aujourd'hui, peut-être demain, mais pour l'instant non. Et donc, l'avantage, c'est que si vous avez des faibles sommes, il y a certains hardware wallets qui valent 100 euros. Par exemple, si vous avez 50 euros en bitcoin, bon, c'est pas valable pour l'utiliser. Par contre, avec ce produit-là, eh bien, vous pouvez acheter ce produit-là et sécuriser vos 50 euros en bitcoin, ce sera valable. Donc ça, c'est, par exemple, vous pouvez faire des cadeaux avec, ça permet de matérialiser quelque chose. Si vous avez quelqu'un que vous voulez entraîner, entre guillemets, dans le monde du Bitcoin, vous pouvez lui offrir ce cadeau-là. Et
sera à petit prix. Et donc voilà, ça permet de découvrir le monde du Bitcoin avec un article visible et abordable. Alors dans le futur, parce que certains disent qu'aujourd'hui c'est le futur déjà. Via la société Alpiza Technology, on essaye d'accompagner des sociétés dans l'utilisation de la blockchain avec des activités de consulting éventuelles. On essaie de tout faire pour démocratiser l'utilisation du Bitcoin. Également ici, les gens font beaucoup de travail là. Et ensuite, on va continuer l'intégration du moteur de recherche dans le wallet et éventuellement avec le wallet, enfin l'application wallet associée, on pourra analyser en profondeur la blockchain via le système blockchain éventuellement. Voilà, donc on arrive à la fin. Alors le prix, c'était le point important, c'est 12 euros hors taxe. Pour mon TTC, ça fait à peu près 15 euros, je crois. Voilà, vous pouvez aller sur bootchain.net/citadel pour avoir plus d'informations. Alors en ce moment, on a lancé les précommandes, donc c'est pas encore des commandes, c'est-à-dire que vous le commandez, mais il sortira dans à peu près 15 jours. Ça sera livré à ce moment-là. Et si vous souhaitez en gagner un, comme pas nécessaire, par contre on donne jusqu'à samedi 14h pour retweeter, donc c'est sur le compte Twitter Bootchain. Si vous retweetez, il y aura un tirage au sort samedi et donc si vous êtes sélectionné, ben, on vous enverra gratuitement un Citadel. Voilà. Là, je vous remercie. J'ai des questions. Ils ont tout compris, c'est parfait. C'est quoi la différence avec Ledger Wallet? Alors, déjà effectivement il y a le prix et les Ledger ont une carte à code associée. Donc il faut avoir cette carte à code pour l'utiliser. Là il n'y a pas besoin parce qu'on utilise le second facteur. Donc il faut avoir son téléphone avec un email ou quoi pour avoir. Ça permet de diminuer le prix déjà et puis c'est plus pratique d'utiliser. Le code bits, c'est 4 chiffres, je crois qu'on peut mettre plus d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Mais... Attention. Tu dis qu'il y a du multisig. Mais est-ce que c'est du multisig à la grille d'adresse? Et bah oui, en fait, voilà, c'est pas du multisig. C'est-à-dire que tu peux vraiment dire qu'il y a 3 personnes, il faut le dire à 3 personnes. Je crois que c'est du 2 sur 2 en fait. Ouais, ouais. C'est du multisig. Oui, c'est du 2 sur 2 dans le multisig, dans la grille d'adresse. Oui. Et c'est du multisig. Oui, d'accord, du multisig, mais non. Là, j'ai 50, 47 sur 50. Non, je veux dire, enfin, ouais, tu choisis tes points d'adresse. Non, non, là, c'est l'API Green Address. Hein, je ne l'ai pas dit, mais c'était marqué, effectivement, c'est via Green Address. Merci. La clé USB, comme ça, dans ta poche, en contact des clés, ça ne peut pas s'altérer avec le temps? Ça fait des mois, parce que ça, c'est un prototype, ça fait des mois que je le fais, et il n'y a aucun problème. Non, ça fait 3 ans que ça existe aussi, effectivement. C'est du bon matos. Moi, je le fais personnellement, moi-même, depuis longtemps, et il n'y a pas de problème. Et si on perd la carte, est-ce qu'on peut la régénérer? Alors, très bonne question. J'ai oublié de dire que si on perd la carte, en fait, on peut. Donc elle est protégée par PIN, donc normalement personne ne peut l'utiliser. Et après, toi, tu peux en réinitialiser une autre. En gros, concrètement, tu en recommandes une autre, et au lieu de l'initialiser de 0, tu l'initialises en rentrant les données de la précédente. Et c'est quoi les données de la précédente justement? C'est des mots, c'est 12 ou 24 mots. En fait, au début, il y a une génération avec des mots à écrire sur un bout de papier. Et ça donne. C'est un peu la master key. Et il faut garder précisément ce papier, mais ça permet de faire un backup de papier quand tu perds de la matière. Du coup, puisque c'est une petite rameuse, tu peux récupérer ça, tu rentres chaud, tu as... Oui, je pense, ouais. Allez, réfléchis. Oui, parce que c'est des multisignatures. En fait, les adresses qui sont générées sont des multisignatures. Quand on ne pourra pas la rejeter à la main des gens.
Et de toute façon, là, donc le produit est en précommande. Il n'y a pas encore, par exemple, les pages d'explication complètes sur tout le produit, mais il y aura tout ça pour accompagner les utilisateurs dans l'utilisation. Ça reste simple, qu'il n'y ait pas de questions par la suite. Les différents modes de second facteur, tu as dit, c'est il y a par mail, il y a aussi SMS, il y a autre chose. Oui, je ne me rappelle plus par cœur, mais il y en a pas mal. Je crois qu'il y a Google Authenticator aussi, et d'autres modes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici.